Les jours où la reine des Sébas avait pris la décision dans son cœur pour aller en Israël, car elle avait entendu parler d'une présence surnaturelle qui opérait de l'autre côté du continent. Bien qu'elle était mal vue par son pasteur, bien qu'elle était mal vue par son église à cause de sa décision, mais rien ne pouvait résister contre la soif de son âme pour aller en Israël. Elle s'est demandé: qu'est-ce qui pouvait étancher ma soif? Qu'est-ce qui pouvait satisfaire le désir de mon cœur si ce n'est que ta présence, si ce n'est que entrer dans ta présence? Elle avait effectué des milliers de kilomètres, elle avait parcouru une longue distance. Elle quitta l'Afrique jusqu'à là au lever du soleil, elle quitta l'Éthiopie pour aller en Israël, afin de participer dans une réunion de réveil. Elle voulait participer au discernement de Salomon. Bien que les juifs qui étaient tout autour d'Idon en action, certains se demandaient qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, cette reine de Midi, car elle abandonna sa gloire et toute sa royauté pour aller en Israël. Elle se demandait qu'est-ce qui pouvait étancher ma soif dans les mondes religieux, qu'est-ce qui pouvait satisfaire le désir de mon cœur. Si ce n'est que ta présence, si ce n'est que entrer dans ta présence. Mon Seigneur, alors que tu y es venu en ce jour, sous le ministère de Malachi 4, la restitution de tout ce qui avait été aboli, tu as rétribué les ouvriers de la 11e heure. Tu as appelé tous ces dons, les noms se trouvaient dans les livres de vie de l'agneau. Je me demande si la reine ne sait pas, il t'a les extrémités de la terre pour aller en Israël. La partialité de l'esprit qui agissait en Salomon, qu'en est-il de moi qui ai reçu plus que Salomon, Seigneur? Qu'en est-il de moi qui ai reçu la divinité totale dans la chair? Moi aussi j'ai été mal vu par mes amis, moi aussi j'ai été mal vu par ma dénomination à cause de ma décision, mais rien ne pouvait résister contre la soif de mon âme à croire à ce message. Oui, je me demande qu'est-ce qui pouvait étancher ma soif, qu'est-ce qui pouvait satisfaire le désir de mon cœur si ce n'est que ta présence. La présence de Dieu dans la chair. Si ce n'est que entrer dans ta présence. Moi aussi j'ai effectué des milliers de kilomètres, moi aussi j'ai parcouru une longue distance, quittant l'Afrique jusque là au coucher du soleil. Oui, j'ai quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis afin de participer au discernement des pensées, afin de participer à une réunion de réveil. Je voulais participer à l'ouverture du 7e saut, bien que les Américains qui étaient tout autour du don en action, certains se demandaient qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, cet indigène de l'Afrique habitué à adorer les idoles. Alors que le bête des champs ont reconnu ta présence, Seigneur,
Les cactus d'Arizona ont fleuri à cause de ta présence. Oh, oh, oh. Moi aussi je me demande, qu'est-ce qui pourrait étancher ma soif dans le monde religieux? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire le désir de mon cœur? Si ce n'est que ta présence, la présence de Dieu dans la chair. Si ce n'est que entrer dans ta présence. Oui, je me pose des questions. Qu'est-ce qui pourrait étancher ma soif? Est-ce ma royauté? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire le désir de mon cœur? Si ce n'est que ta présence. Si ce n'est que entrer dans ta présence. Un prophète est apparu et Dieu a visité son peuple, étant une semence prédestinée à la vie. Peu importe là où je me trouvais, je devais sortir pour croiser la lumière de mon jour. Et quand je l'ai vu, je l'ai cru. Comme il est dit, quand les deux omnipotents se croisent, les miraculeux se produisent. Alléluia. Mon salut, je n'ai pas voulu prendre en compte ce que mon père dira, ce que ma mère dira, mes frères et amis diront, car je réalisais que c'est une affaire individuelle. En venant dans ce monde, je suis venu seul un jour. Il est vrai que je repartirai tout seul. C'est pourquoi, quant à ce qui a concerné mon salut, je n'ai pas voulu prendre en compte ce que les autres diront, ce que le monde dira, mon entourage dira, car je réalisais que c'est une affaire individuelle. Seul je suis convaincu puis concerné. Je fais mon choix pour le ciel, je suis en marche. Seul je suis convaincu puis concerné. Je fais mon choix pour le ciel, je suis en route. Ce qui compte dans un combat n'est pas le poids du combattant, plutôt le poids du combat dans les combattants, Seigneur. Que la multitude tombe sur ces chemins de la gloire, que cela n'ait pas d'impact sur moi. Que ceux en qui je pensais être trop spirituel sur ces chemins renoncent, renient. Que cela ne m'affecte jamais, car lorsque j'entrais dans le bouée de mon baptême ces jours-là, je t'avais fait la promesse de t'être fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle, Seigneur. Regarde ce poids du combat à moi. Seul je suis convaincu puis concerné. Je fais mon choix pour le ciel, je suis en marche. Seul je suis convaincu puis concerné. Je fais mon choix pour le ciel, je suis en route. Le type de l'épouse avait reçu trois hommes venant de l'éternité. Quand Billy Graham a parlé, je n'avais rien senti en moi.
Quand Oral Robert a parlé, je n'avais rien senti. Mais lorsque celui de milieu a essayé de parler à son tour, mon âme a vibré au-dedans de moi. Je me suis accrochée à ses paroles infaillibles. Car jamais un homme de chœur ne peut parler comme cela. Que ceux qui ont marché avec mon âme et mon prophète viennent pour me dire le contraire, je ne croirai jamais que c'est lui-même qui m'a conduit au Seigneur. Viennent pour me détourner de ce glorieux message, je les maudirai. Car comme je t'ai fait le vœu de mon âme, que tout celui qui viendra sur ce chemin de retour à la maison de mon père, avec audace j'ai dit, je les sacrifierai à toi. Seul je suis convaincu puis concerné, je fais mon choix pour le ciel, je suis en marche. Seul je suis convaincu puis concerné, je fais mon choix pour le ciel, je suis en route. Seul je suis convaincu puis concerné, que ce message est la vérité. Seul je suis convaincu puis concerné, que William Branham est venu pour moi. Seul je suis convaincu puis concerné, mes frères, que le septième saut c'est une vie vécue. L'appel des gentils c'est un appel individuel. Seigneur aide-moi à arriver jusqu'au bout avec toi. Ah, ma soeur Nathan Ebengé, je crois que vous avez moi à dire. Quand j'ai écouté ce message, oh mon roi, je t'ai confié toute ma jeunesse. Les ponts du retour ont été coupés. Mes yeux sont fixés sur la croix. Peu m'importe le découragement, mon âme est dans les lieux célestes. Et dans cette histoire d'amour, mon Jésus, rien au monde ne peut me séparer de toi. Je t'aimerai pour l'éternité. Oh, l'éternité. Je t'ai choisi pour le reste de ma vie. Oh, l'éternité. Je fais mon vœu pour l'éternité. L'éternité, je resterai pour l'éternité. Avec toi pour l'éternité. Incapable de
contourner sa propre parole. Il est incapable de marcher au-dessus de ce message. Il est impossible qu'il dise non à ce qu'il avait déjà dit oui pour le bien-être de ma vie. La 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 la
t'appartenait. Sans cesse il témoignait, il aurait le fils de la promesse. Mais le diable ne s'est lassé de venir tous les temps pour les convaincre à cause des imperfections dans la vie terrestre d'Abraham. Il n'arrivera jamais à recevoir ce qui est divin. Oh, Abraham n'arrivera jamais à recevoir Isaac. Mais il avait la réponse à donner au diable. Sa victoire résidait dans ce qu'il avait vu. Elohim, l'effort valait dans la chair humaine, sous les chaînes des Mamorées. Comme l'omnipotent savait parler, un miracle devrait s'opérer. J'ai la réponse à donner au diable. Laquelle est la victoire et l'épouse de Christ? Car je sais Dieu dans la chair humaine, c'est la victoire des élus. Si je l'ai vu pécheur, je suis plus que vainqueur. Si je l'ai vu incarné, je suis plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Béni soit son Saint-Nom. Il est digne des louanges. Alléluia, alléluia. Hey, alléluia, yeah, Hosanna. Yeah. Loué soit Jésus-Christ. Il est digne des louanges. Qu'est-ce qui ébranlerait la foi de la femme samaritaine, alors qu'elle avait entendu les paroles infaillibles des promesses? Oui, Jésus-Christ, lui disant qu'elle était pardonnée, parce qu'elle avait cru dans la parole révélée dès son jour. Même si dans les mondes ecclésiastiques, on l'a condamnée d'une pécheresse, à cause de sa mauvaise vie passée, elle ne méritait jamais la vie. Mais elle avait la réponse à donner au diable. Sa victoire en résidait dans ce qu'elle avait vu le Créateur. Valait dans un homme de chair, dans les rues de Galilée. Comme l'omnipotent savait parler, un changement devait s'opérer. J'ai eu la réponse à donner au diable. Laquelle est la victoire et l'épouse de Christ? Car je crois Dieu dans la chair humaine, c'est la victoire de l'épouse. Si je l'ai vu pécheur, je suis plus que vainqueur. Si je l'ai vu incarné, je suis plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Béni soit Dieu d'Abraham. Il est digne. Alors que je suis appelé à confesser les positifs de ma vie, car les buts pour lesquels Jésus fut crucifié ce jour-là, il était venu me ramener à ma position originelle. Un Dieu sur la terre à qui toute la nature doit obéir. Alors que je suis appelé à confesser les positifs de ma vie, car les buts pour lesquels le septième saut fut brisé, il est venu me ramener à ma position originelle. Un Dieu sur la terre à qui toute la nature doit obéir. Mais le diable ne se fatigue de venir tout le temps pour me décourager. Vu le haut et le bas, les imperfections dans ma vie terrestre, que je n'arriverai jamais à recevoir ce qui est divin. Oh, je n'arriverai jamais, Salem, à la stature de l'homme parfait. Mais j'ai eu la réponse à donner au diable. Ma victoire
réside. Dans ce que j'ai vu, Elohim l'effort. Valais dans un bout d'homme de Kentucky, dans les rues d'Arizona. Comme l'omnipotence a parlé, un miracle doit se proclamer. J'ai eu la réponse à donner au diable. Laquelle est la victoire de l'épouse de Christ? Car je crois Dieu dans la chérie, non, c'est la victoire des élus. Si je l'ai vu pécheur, je suis plus que vainqueur. Si je l'ai vu, si je l'ai vu incarné, je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Béni soit Dieu de mon âme. Il est digne de louanges. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Loué soit Jésus. De l'échec de Mussolini et du progrès que la science ferait dans l'avenir. Comme l'ainsi dit le Seigneur, ne faillit jamais, ne faillit jamais, oh. Cela est arrivé car l'Éternel avait parlé. Mais il avait aussi dit que les jeunes gens viendront. C'était l'espoir de frère Branham. Les jeunes gens qui allaient venir au temps du soir. Frère Branham m'avait dit qu'ils viendront. Papa Branham m'avait dit qu'ils viendront. Ils vont bien comprendre ces choses, c'est la vérité. Ils vont ponctuer les grands amènes à la vérité. Ils vont les saisir même dans les trois points de suspension. Ils vont les comprendre dans Frère Branham donne trois coups sur la chair. L'heure est venue où la vérité doit être dite. L'heure est venue où la vérité doit être chantée. L'heure est venue où la vérité doit être prêchée. Même si elle blesse les uns, je crois qu'elle va réjouir les autres. Même si elle éloigne les uns, les élus vont se rapprocher. Et William Branham, voilà la dualité du jour. Malachi 4, c'est la seule bonne nouvelle qui sauve. Luc 17 et 30, c'est la nourriture des aigles. Qu'ils refusent de les chanter, les rouges-gorges vont les chanter, maman. Ils vont témoigner que le roi est venu. Ils vont chanter que le roi est sur la terre. Qu'ils refusent de les chanter, les rouges-gorges vont les chanter, oh. Christian Salem, toi tu vas les chanter, oh. Vous savez ces jours-là, quand les tonnerres grondaient, Branham a dit à John Norman, cherche un endroit pour t'abriter. Car aucun des humains ne pouvait supporter des détonnements.
seul William Branham était au sommet. Elohim lui parlait comme on parlait à son ami. Pendant ces moments, tout le monde en bas de la montagne. Nos bishops étaient en bas de la montagne. Nos pasteurs et révérends étaient en bas de la montagne. Alléluia. C'est pourquoi ma confiance, je placerai en William Branham, car il est le seul qui a écouté la voix de Dieu à la montagne. Et il a dit ce que Dieu a parlé de moi. Il a exprimé la pensée de Dieu. Alors qu'ils refusent de les prêcher, les jeunes gens vont les proclamer. Ils vont dire que c'est l'exacte vérité. Amen, amen. Ils vont croire cela avec tout le cœur. Un jour l'épouse faisait son entrée. Quand elle défilait devant le roi, mais j'ai remarqué que dans la tribune d'honneur, il n'y avait que Jésus-Christ et William Branham à ses côtés, en train de regarder l'épouse qui faisait son entrée. Et Branham criait, ne guidez pas les rangs, je crois dans ces défilés, les docteurs faisaient partie. Les apôtres Éphésiens 4 faisaient partie. Tout le monde était en train de défiler. Et la voix de Branham me disait, ne quittez pas les rangs. Mon pasteur, ne quittez pas les rangs. Mon ami, ne quittez pas les rangs. Tu veux commencer une église, Branham me dit, ne quittez pas les rangs. Tu veux te marier, Fontaine, Branham me dit, ne quitte pas les rangs. Alléluia. Oh, qu'ils refusent de les croire, il y a un peuple qui va les croire. Dieu sait trouver une épouse, elle va croire avec tout son cœur. Alléluia. Il avait dit que les jeunes gens allaient venir. Et aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Quand je parle des jeunes, je ne me réfère pas seulement à l'âge, mais la régénération dans la révélation. Alléluia. Vive the young people. Vous qui êtes à Paris, je sais que vous allez les croire. Ceux de Washington à Indianapolis, je crois que vous allez le croire.